Ah. Des gardes non armés dans un camp réserviste. C'est une vraie connasse cette vie qu'elle s'est barrée, tu sais. Il a dit merde cette fois. Ah, Chris, c'est gentil, mais je sais plus jouer à rien du coup. Allez, chef, allez, ça va aller. Messieurs, dames, restez dans le coin pour ceux qui ne connaissent pas le subgame. Dans une demi-heure, à peu près 25 minutes, je ferai le tirage du prochain subgame. Et une personne qui est abonnée à ma chaîne sera tirée au sort et décidera le jeu auquel je jouerai pendant une heure dimanche prochain. Ah! Voilà un magasin qui me fait penser à Dead Rising 1 ou 2. C'est quoi le subgame, Hardgot? Allez, Bredou! Du coup, Nozu, tu vas passer ta nuit dessus? Non! Pas du tout! Après le subgame, les gars, on fait le tirage. Après, il faut que je fasse mon sport. Je prends une douche et après, je continue. Merci, Chloïs. Zombie. Oh, les gars, Gwyn, t'as tes chances. Ouh, coup dur. Tu vas faire le sport en live? Ouais! Mais je vais faire un très, très peu de sport parce que j'ai très mal à la jambe, du coup je peux faire que très peu de trucs. Le seul jeu où j'ai une petite chance c'est RL et encore. Ok, super cette petite cinématique. 4 mois plus tard, quelque part dans le Midwest. 4 mois plus tard, quoi? Ce qui s'est passé avec Vic qui s'est barré? Vic la connasse? Franck Ouest? Vous allez me coffrer? Possible. Plutôt oui, alors. Ça dépend. Allez. De votre jeu en équipe. Oh, merde, ça a Tu étais jamais voir un été mon point kiné pour te faire du bien à la jambe. J'y vais demain, après. Il veut se barrer par la fenêtre, ce con. On étouffe là-dedans, vous trouvez pas? Un peu d'air frais. Je crois qu'il n'arrive pas à se barrer. Je pensais vraiment que ça marcherait. Bon, et bon, on dirait que j'ai un peu de temps libre, vous vouliez me parler? Ah, je sais qui vous êtes. Colonel Brad Park, commandant de la ZDC. Je suis bien les actualités sur les zombies. J'en doute pas. Vous savez donc que la ZDC est mandatée pour lutter contre les zombies sur le sol américain. Ouais, en enfermant et en faisant taire ceux qui savent la vérité, je suis déjà au courant, merci. Ça recommence à Willamette. Quoi? Une épidémie. Yeah! J'ai rien vu aux infos, ça dure depuis combien de temps? 6 semaines à présent. Oh, six Pardon? semaines de zombies, de Zombieland, bon. Difficile de faire taire toute une ville aussi longtemps. Pas pour eux. Qui ça? Le Pentagone. Oh merde. Qu'avez-vous vu là-bas? Vous le savez très bien. Personne ne sait, Franck. Si je l'ai appris, c'est parce que quelqu'un a merdé. Mais si, on sait ce que t'as vu, Guignol. En me filant un rapport confidentiel. Le camp d'entraînement des réservistes? J'ai encore jamais vu qui que ce soit en poste là-bas. Les communications de la ville sont coupées dans les deux sens. Non, mon pote. Les photos satellites ne sont plus à jour depuis 4 mois. Ils veulent étouffer l'affaire. Bien sûr qu'ils veulent étouffer l'affaire. Bien sûr, mon pote. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, vous, Frank West, vous donnez un putain de cours du soir au lieu Oui. d'avoir 2 longueurs d'avance sur moi. Parce qu'il veut pas se faire coffrer, mec. J'ai raccroché. Raccroché? Oui, j'ai raccroché. Vous savez dans combien C'est ça à qui, ça à toi j'ai été impliqué, combien j'en ai couvert et ce que j'ai eu en échange? Que dalle. Et là, t'as là, quand j'ai eu besoin de gagner, je t'expliquerai un peu plus tard ce que j'avais à la jambe, si tu veux, Hardgot. C'est un peu plus 2006, compliqué, c'est assez compliqué, quoi. Headliner. Vous avez révélé la première épidémie sur le sol américain, photo à l'appui. Vous avez reçu des médailles, quelques diplômes. Oui, à titre honoraire. Et venons-en au fait. 3 semaines plus tard, j'ai tenté de révéler au monde entier l'implication du Pentagone et de Oui. tout le gouvernement, mais on m'a démolé! Il hurle pas mal, hein? Ouh, les deux Parce que FPS. Vous ne disposiez pas des preuves suffisantes. Accompagnez-moi à Willamette.
On va révéler cette histoire. Et là, vous irez jusqu'au bout. Non, mais j'ai pas envie d'aller avec lui, Georges Moustaki, là. Franck, ça ne concerne pas qu'une ville. L'enjeu est bien plus grand. Faut que j'aille avec Georges Moustaki, là, vraiment ? Non. Sans moi. C'est vraiment un film américain. Levez le voile. Mais ces scènes, c'est vraiment des scènes de film, genre... Le vieux vétéran qui veut pas y aller. C'est plus ma guerre, tu vois. Il y a des choses à rattraper. Mais en fait... Je suis surpris que vous laissiez une amatrice vous voler cette histoire. De quoi est-ce que vous parlez ? Là, c'est bien une de vos élèves, non ? Oh. Je crois que... Vic, cette connasse. What? Putain, on passe de ça direct dans un avion. Sacrée équipe que vous avez là. J'adore quand on me tague à blanc. On approche de Willamette. Sacrée équipe, ils sont deux, c'est... Mais putain, c'est la meuf qui vient à la base, non? Oh! Envoyez une unité. Capturez les cibles ou tuez-les. D'accord, il avait les yeux verrons. Putain, c'était un peu vénère quand même. C'était un lance-roquette manuel et finalement... Attendez, on va se cracher sur le... Sur le magasin là ? Les amis ? Oh, une main ! Franck ! Franck ! Quoi ? Debout là-dedans ! Vraiment ? Non, tu as check le volume de bruitage du jeu, c'est chelou quand même. Ouais. Quoi ? Franck ! Franck ! Quoi ? Tu joues ou merde ? Eh bien, écoute, je ne peux pas passer les cinématiques. Enfin, je pourrais, mais il y a l'histoire quand même. Danny. On a cassé votre écran. On m'avait pas menti. Retenez-les. On va se battre là. Cet équipement. Les retenir. Mais avec quoi? Prenez une arme, Franck. Ok, une chaise. Hey, Franck. Moi, j'ai une chaise. Tu vas faire quoi, mon pote? Génial. Tiens, mon putain! Oui, oui, c'est qui le patron maintenant? Putain, j'ai des points solides, hein! Et la dernière patate là! Oh! Les de la zone de restauration sont les pires! Alors, c'est qui le patron maintenant? Tiens! Voilà! Voilà, c'est tout, les gars. Il voulait me passer un truc, je crois, lui. Il m'achète un revolver. C'est bien. Stylé, ça. Allez. Lolé. On rase tout, hein. C'est qui? Le patron. Je crois qu'ils sont tous morts. Non, on peut fouiller ça. Attends, on va fouiller le sac. On fouille, on fouille. Nous, on est des fouilleurs. Je reçois une mail vers minuit pour dire que tu t'es reconnecté. Hop, mangeons. Oh là là. Ramassons ce bagel. Quoi ? Un canon à t-shirt ? Un canon à t-shirt ? Yamel. Ouais, une matraque, c'est mieux. Plateau. Une caisse enregistreuse que je peux utiliser. Ouais. Ouais. Un ventilateur industriel. Oh.
Ouais. Non mais, j'ai vraiment des... Oh, un point américain. Bon, ouais, j'ai jeté le ventilateur. Hein. Oh, une poêle. Oh, une roulette à pizza. Salut. Ok, les pastilles. Oh, les pastilles que je vais, bro. Un cocktail molotov, stylé. Pourquoi des cocktails molotov au milieu du truc, c'est. Salut. Mais allez. Oh. Mais c'est pas ouf, hein. Comment c'est fait, genre. Faudrait que je change des graphismes, en vrai. Ah, elle est morte, elle. Un cocktail. Je suis allé tuer des gens alors que la mission n'a pas continué, tu sais. Tiens, meurs donc. Bonjour. Oh, il y a un bouton à appuyer. Une toque de cuisson. Yes! Mais non. Allez là, c'est qui le cuistot maintenant? Une lanterne, vraiment? J'arrive, mon pote. Salut. Bon, il nous faut un abri. Cet hôtel m'a l'air bien. 3 étoiles, au mieux. Vous faites toujours l'andouille? J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien, retrouvez-moi à l'hôtel. La gueule, mec. Ouais, mon calepin. Oh, attends, il y a eu un beau carnage, là. Bougez pas. Ouh, rang A de brutalité. Eh, 1 000 $ quand même. Bon sang. Regardez en bas. Ça grouille. Ces gens ont pas été vaccinés? Si, si, c'était obligatoire dans tout le pays. Ça n'a pas de sens. Pitié, aidez-moi. Oh là là, oh là là. C'est une mission pour... Super, Cuistoman. Aidez-moi, quelqu'un. Petite biche. Silence! On m'approche. Allez, j'y vais! Je crois que salut. C'était pas une bonne idée. Tiens! Où est-ce que vous êtes? Ah, je vais l'aider! Bien, retrouvez-moi à l'hôtel. Salut! Il y a mes mains qui traversent son visage et tout. Faut que je tue tous ces connards pour libérer Jean-Edouard Connard? Rien de voir un apprentissage dans la douleur, les gars. Récupérez votre récompense. Merci. Vous êtes incroyable. Je vais pas rester ici plus longtemps. Une balayeuse. T'entendras ça, non? Hey, j'ai pas perdu mon temps. Oh, mais... Mais attendez. C'est quoi, c'est... What the fuck? Je vais juste me mettre le point de survie, les gars. Ici. Non, pas du tout. Pas du tout, alors là pas du tout, c'est le point de résistance qui me remonte la vie en dehors des combats. Ah, c'est cheaté hein, genre je le mets très bien. Salut. Oh. Oh. West, je suis à l'entrée de l'hôtel, vous venez? Oh. Oh les pastilles. J'arrive. Blablabla. Lâchez. Je te marche dessus, moi. Super, Cuistoman. Les gars, après tirage de sort subgame. Ensuite, je fais mon sport en live. Ouh. Oh, c'est découpé, ça, les gars. Y'a pas de son. Les sons sont pas hyper forts et tout, c'est triste. Hein. Super, demi-molle. Aïe! Cassez-vous les cons! Alors. Salut! 2 secondes. Coucou!
Mais c'est trop fort ces gants, what the fuck, quoi. What the fuck. J'arrive. Pff, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est accroupi, genre, salut. Désolé, j'ai eu envie d'un samoussa. Un samoussa? Cette mission va être longue. Un samoussa. Il y a Connor, mec. Bon, vas-y. Et sur G pour effectuer un lancer rapide avec un temps de G. Maintenez G pour viser, relâcher pour lancer. Ok. Un angle intéressant. Ah, il voit pas le mec. Fuck. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Mitraillette? Oh. Merci. Hé, hey, amenez-vous! J'ai trouvé une planque d'enfer! Il y a de l'après-rasage, du déodorant et... Bon, prenez une arme! J'en ai toute une chier! Salut. Connor McMahon. Oh, y'a un plan! Attendez deux secondes. Crark! Hein? Ok. Arbalète plus ça. Grand soda. Bonbonne de propane. Fouillons ce sac. Fusil d'artifice encore. C'est quoi du coup J'ai un nouveau point là? J'ai un nouveau point de compétence là? À utiliser? Ah oui, en restant. Ah, attendez. Bien choisir. Augmente les chances de critique et leurs dégâts avec des armes de corps à corps. Point américain et point. Les armes de corps à corps attendent ses ennemis. Je pensais qu'il y a des gars avec batte de laser et couteau. L'efficacité des coups critiques affichée par la glace. La résistance de tous les véhicules. What the fuck? C'est naze tout ça! Endurance plus 25%. Et maximale de 500 points. Vitesse et réactivité de l'esquive. Les points de tir restitués par la nourriture. Oups, pardon. C'est quoi le nouveau? Ah ouais, en distance, c'est ça. Arbalète plus explosif. Le sol peut être ça, on s'en fout. Au niveau du tir, débloque les coups critiques avec l'attaque à distance. Et je dois choisir, c'est chiant. C'est pété ça. Punk amateur. Wow, 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 wow. Fuck encore. Le problème de bagarre, c'est qu'il faut vraiment choisir entre point, bat. Ouais, hein. H. Pas envie de jouer spécialement une arme, tu vois. Après j'avoue les battes et tout c'est pas mal. T'as pas de points je crois. Si j'ai un... Attends, où est-ce que j'ai un point? J'ai pas de points. Ah non, j'ai pas de points, effectivement. Effectivement, bien vu. Il vous reste une chambre avec deux lits. Oh, vous êtes fandard. Vous savez, techniquement parlant, vous auriez été notre premier client. Comment ça? Vous êtes pas d'ici, je me trompe? Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. Je vois. Dire que la galerie était ouverte depuis même pas un jour quand les zombies l'ont détruite. Faut pas rester là. Cette porte mène au couloir de maintenance. Ouais, mais le directeur s'y est enfermé quand il a été mordu. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Ok, on peut tout péter. Oh, wow! Oh merde, les laissez pas approcher davantage! Crève! On a des ennuis! Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte! Salut. Bordel, c'est qui ces enfoirés? Une hache militaire. Pas mal.
Il lance dessus, mais c'est... Oh là là. Tranquille, hein. Ils sont flingués. Ils sont moitié fous. Ah tiens. Ouais, du combat. Là, on est content. Là, on est content. Tiens, voilà, ça c'est bon, ça, c'est ça que c'est bon. Changement d'arme, on y va. Allez, un coup de poing américain, une bonne patate. Voilà, là oui. Oh merde, merde, merde. Tiens, 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 voilà, ça c'est bon ça. Non, je pense qu'on aime ça. Oh, ce pistolet, merci. On ressort, on met 2-3 patates. On vient mettre un énorme coup de poing encore, il se passe quoi? J'ai juste pour regarder la fin de Kaira. Kaira? Ouais, on arme ça, les armes. Des bonnes armes comme ça là. Tiens, mon pote là. Putain, j'en ai déjà ras-le-bol de cet endroit. Il est en train de se battre, exactement. Bon, il a ouvert? Ça y est, on y va. Quel casier? Une lunette? Nice. Oh merde, oh, des lunettes, un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, au fait. Wow. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Vous savez comment ça a commencé? Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc... Ouais. Super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais... Ouais. Il y avait une journaliste. Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec, je sais plus. Vic, elle est où maintenant? Elle s'est planquée un temps dans le centre de sécurité de la galerie. Elle y est peut-être encore. La connasse de Vic, putain c'est Vic. Cette connasse les gars. On devrait aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. C'est un bon plan. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test, et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi, et j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Je dis pas ça pour vous offenser. Bon, d'accord. Je vais aller en ville et m'intéresser aux opérations d'aide. Si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. Ok, si j'en ai le temps. Bon, je me tire. Paquet cadeau. Il y a une milice qui se forme à West Ridge. Je vais les rejoindre et tuer encore plus de ces cons. A plus. Bonne chance, West. Ouais, bonne chance. J'ai eu du pot. Maintenant, il me faut un bon scoop bien juteux. Non, il a jeté ta tête sur tous les zombies qui le tuent. Non. C'est pas vrai. Oh, ils vont tous. Ok. Oh, une batte. Cool. Oh, une scie. Ouais. Je veux la batte, je veux la batte, je veux la batte. Silence. Tiens là. Les battes ont pas un effet destructeur, tu vois, de l'espace. Des gants de boxe, une batte, c'est pas mal. C'est de musique, les gars. Centre de sécurité de la galerie marchande. Ok. Oui, tu me disais que tu m'as dit que tu rêves de me tuer parce que je suis une salope. Non. Faut voir, Chifo. Ouais, deux tours avant le temps de faire partie, quoi. Deux tours. Ah merde, je dois aller au point bleu. Yo, Pierre, comment ça va? Oh, attendez. Oh, ouais, ouais, trop bien. Quoi? C'est une blague? On y va. Mais non. Mesdames et messieurs, démarrez votre moteur. Mais non. C'est ralenti, c'est con. Cassez-vous les gros nazes. C'est pas le temps. Qu'est-ce que c'est? La FC, c'est pas ici par contre. On s'écarte s'il vous plaît les trous de cul. Dégagez de la route. Dégagez. Dégagez. Dans la voiture de tête, Frank West, un photographe adulé et un type fantastique. Wouhouhou.
Let's go. J'ai gagné ça? Waouh! Il y a un plan et tout. La foule est en délire! Qui va un carte pour sur le supermarché? E pour combiner. Nice. Salut. Mais non. Mais non. Mais... mais what the fuck, gros? C'est le meilleur truc, là? C'est le meilleur truc, ça? C'est une cata à conduire, mais... oh là là, mais c'est incroyable! What? Alors... oh, qu'est-ce que c'est? On va pas leur en forme, les gars, ici. Bon, Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Oh? Je vais découvrir ce qu'elle sait. Coucou. Après, je la ferai dégager de cette vie. C'est quoi le problème? Nom de Dieu! T'as déjà tué 100? Parfait. Je deviens un psychopathe, les gars. Mon Dieu, il y avait une chaise roulante. Le plaisir. Faut combien de kills avec ça pour avoir le méga boost là? Hashtag grotte. Incroyablement beau. Putain, j'ai l'habitude de tourner avec la souris avec Borderlands en fait. Je sais plus piloter normalement. Bon, on va au centre de sécurité en sauvegarde, les gars. Et après, tirage du subgame. C'est drôle, il a l'air drôle celui-là. Mais je sais pas, il y a un truc vraiment chelou par contre. Hein, ouais. Oh, j'ai tous buté, je crois. C'est quoi ce bordel? What? Bande de malades! Oh, sérieux? Il est-tu nous seul? Un snack. Je ramasse le snack. Oh! Ouais! Coucou! Oh non, je vais faire péter le truc. Oh oui, j'aime ça. Ah, j'essaie de me tourner. Salut les copinous, comment ça va? Ah, j'ai plus de place, j'ai plus de trucs. Ouais mon pote, et ouais mon pote, et ouais mon pote. Explosion! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Mon truc a explosé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tiens, gros con. Il fonctionne encore? Il a 42%, on est large. On est large, les gars. Si ça, c'est pas du débilisme, les copains. Ouais, en plein dans le mille. Oh là là, comme on se met bien. Oh là là, comme on se met bien. Oh là là, comme on se met bien. Oh là là, comme on s'est mis bien. Ah, j'ai raté les 100. Dommage. En fait, quand tu fais 100 kills avec, en fait, t'as un méga truc. Bonjour. Oh, c'est tellement fou.
J'ai déjà tué 2500 zombies dans la partie là. Bonjour. Oh oui, ça fait plaisir ça. Mais mec, what the fuck? Oh wow, c'est incroyable. Ah, j'ai 1850, ok. Salut Tobino, comment ça va? Et vive la saucisse, hein. Il y a tellement de zombies, je suis tellement un mongolien. Ce jeu, ça se transforme en mongolien. Je suis super cuistot, les gars. Super cuistot avec son super karting. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, regarde. Il est temps, les amis. Il est temps, faut que j'arrête. Quitter la partie. Oui, oui, toute partie non sauvegardée, c'est pas grave, c'est pas grave. Il était temps, les gars. Je quitte juste OBS, les amis.